Ok. Alors, il va falloir qu'on. Alors, c'était très particulier la dernière fois qu'on a joué à ce jeu parce qu'on devait jouer avec une manette. C'était très perturbant. Et en plus, j'ai pris la gauche, moi, comme une teubée. Donc, on va devoir gérer ça. Mais franchement, venez, on prend la droite cette fois. Ça va moins me perturber, je pense. Non, je veux L. Non. Ok. Je veux L. Cette fois, on prend celle-ci aujourd'hui. On prend la manette officielle de tous les droitiers. Et ouais. Parfait, le titre. Super. Alors, je vous remercie. Let's go, Evoli. Franchement, j'ai un coup de cœur sur ce jeu. Il est trop bien. J'ai adoré la semaine dernière quand on y a joué. Franchement, j'ai trouvé le jeu trop cool. Et là, du coup, je suis contente. Oh, j'étais pas revenue sur le menu. Trop. Trop mignon. Bisous, Eiko. Merci beaucoup d'être passé. Alors, on avait un badge déjà. On avait fait un badge. Ok, bon allez, on va aller voir un petit peu. On s'était arrêté du coup où? Ah oui, on était arrivé à Azuria. Et du coup, là, on va devoir battre. C'est pas genre Ondine ou un truc comme ça? Je viens de conduire. Oh non! Oxy, je suis morte. Alors? Comment j'achète un vélo? Tu veux savoir plus sur ce vélo? Oui. Oui, Ondine. Ok. Faut qu'on regarde les Pokémon qu'on a. Déjà, je me rappelle plus ce qu'on avait. Ok. Alors, on avait qui comme Pokémon? Équipe. Evoli, Onyx, Bulbizarre, Salamèche, Papillusion. Bah écoutez, on va utiliser Bulbizarre. On va le déplacer. Il faut que j'enchaîne directement. Et au pire, on a Pikachu. J'ai une équipe qui est cool, hein. Vous avez vu mes Pokémon? J'ai Bulbizarre, Onyx, Evoli, Pikachu, Papillusion et Salamèche. J'ai des bons pokés, hein. Ah, on peut pas utiliser le vélo? Bah, nul alors. Ruaxu! Vas-y, à plus tard, Hilo, si tu repasses. Merci d'être passé. Alors, explorons un peu. Putain, c'est énorme ce truc. Ah, l'arène est là-bas. Tu vas en avoir un peu plus tard dans le jeu. J'avais dit quoi? Je sais plus. Tu peux chevaucher Onyx? Oui, on l'avait testé la dernière fois. Vas-y, bisous, Zabou! Amusez-vous bien! Bonne série, bon film! Dis-moi, j'ai une petite question. Comment fait-on pour ce resub si quelqu'un t'a offert un sub pour la première fois? Bah, normalement, c'est se réabonner. Enfin, t'as le bouton comme d'hab. C'est le bouton comme d'hab, normalement. Ah, merde! Il faut que je monte mes niveaux. Niveau 15, il dit. Bah écoute, on va aller XP un petit peu. On va aller XP un petit peu. Donc on vient d'ici, je crois. Donc on va aller regarder un peu aux alentours. Mais casse-toi la gamine, là. J'aime trop chevaucher Galopa. On verra quand on l'aura. Je vais pas y aller. Je connais. Tavolaï des types. La table des types. La table des types. Ouais. Enfin, on partit, oui. Salut Kamiko, comment ça va? Putain, mais c'est par où que je me casse en fait? Faut que je retourne en arrière là, XP mes Pokémon et faire ça après là? Je peux pas, genre. Ah si, faut que je monte. C'est Mimi hein, comme tout, hein, je trouve. Salut Lilia, comment ça va? On va aller se battre un peu, petite baston là. Warg! Gars, j'ai vu un po Pokipa. J'arrive pas à me calmer, il faut un combat pour descendre. Vas-y, vas-y, on réfléchit pas, on donne tout ce qu'on a. Vas-y, 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 vas-y. Moi, je le retiens pas. Bah, ça va, oui, je connais. Après, c'est tous les types spectre, ténèbres et tout, psy, acier, tout ça. J'ai un peu du mal parce que c'est des types qui sont un peu plus compliqués, mais là. Là, pour l'instant, ça va. Putain, j'ai un Pokémon. J'ai vu le bizarre là, ça va pas le faire contre un type vol. La bagarre, on se bastonne ici. Oh, ça va, il est niveau 12. Ouais, non. Je propose qu'on change de Pokémon et qu'on prenne ça à la mèche. Ah, il est trop cool le jeu, franchement. Mais non, non, ça à la mèche, en fait, il a pas d'attaque feu. On va garder Bulbizarre. Je change d'avis comme de chemise. Oui. On va faire un petit Fouillane. Ouais, c'est pas très efficace, hein. Ça, par contre, ça me défonce. On va devoir faire un truc genre charge, je pense, pour que ça tape plus fort.
Ouais, et encore. C'est un coup critique. Et Spectre s'annule. C'est pas Spectre et Spectre qui s'annule, un truc comme ça. Je sais plus, enfin c'est des trucs qui sont très compliqués. Et certains types comme ça qui sont vraiment beaucoup plus particuliers. On va mettre une vampigraine, tiens. On va le vampiter. Salut Pascaline, ça a été ta journée. Finir le travail, purée, à 20h20. Touche-né d'ailleurs, touche-né, touche-né. Oh, il me défonce. Est-ce que c'est beaucoup? Pas beaucoup, hein. Pas beaucoup, pas beaucoup, hein. Je pourrais changer de Pokémon, prendre Evoli, tu sais, mais non. Je préfère continuer et forcer avec Bulbizarre. Pour il me défonce, quoi. On va changer, on va prendre un... Un peu longuer les combats. On va prendre Evoli, hop. On va le remettre. On va lui faire un double pied. Double pied, c'est fort contre vol ou c'est l'inverse? Je sais plus. Ou ça fait rien. Bah oui, Lolo, écoute, c'est le premier. Voilà. C'est l'inverse. Ok, super. Donc on va lui faire un truc classique, genre vive attaque. Pour moi, les attaques de merde du début, quoi. Putain, mais vas-y, Volibroom, là. Utilise une potion. Ça a été, bah, je travaille dans le commerce. Ouais, les horaires, c'est une galère, c'est clair, Pascaline, purée. Ça, c'est bien chiant. C'est bien chiant. Allez, un petit vive attaque. Psy est faible contre ténèbres et spectres. D'accord. Ouais, ça j'ai vraiment du mal encore. Salamèche monte niveau. Misterbe. Vas-y, on change pas, on change pas. Misterbe, j'aimerais bien en capturer un. Hein. Je crois que je l'ai pas capturé encore. Vive attaque, on va continuer sur cette lancée là. Poutre toxique, je le déteste. Je te déteste, Volibroom. Il est même pas là, tu sais. C'est si long les combats, par contre. Bisous, Gaëlan. Merci beaucoup d'être passé. Je connais par cœur les affinités du type fée, par contre. Immunisé face au dragon. Et se fait def par les Pokémon acier et poison. On se demande pourquoi, particulièrement le type fée, quoi. On se demande. Est-ce que c'est la fée du chat, Lolo, c'est pour ça. Je baisse un peu la lumière, parce qu'elle me défonce les yeux. Je vous cache pas. C'est un peu mieux. Ok. Oh, ça stonks. Level 16. J'aimerais bien que Bulbizarre montre un niveau. Peut-être même deux. On a pas l'air de vouloir avoir une XP. Pikachu. On va changer de Pokémon. Il va se faire défoncer un Onix niveau 7, non? Mais il a jet de pierre, c'est bien, non? C'est bien, non, la pierre contre l'électricité? C'est le type poison et glace, ah ouais? Qui a un garde de voir, ah bien sûr. Niveau 13, ouais. Il va me déglinguer, là. Ah, même pas. Je pensais... Bonjour, le train. Vive attaque. Mais il me tape pas fort en fait. C'est Volibroom, je l'ai renommé comme Voli. Parce qu'il était là quand on a créé la partie. Et il voulait que je renomme mon Evoli juste Voli, mais je lui ai dit non, tu seras mon ennemi. Quadtox, Monster Enfer et le classe. Ah, ok. Moi je pense que mon Pokémon préféré, alors j'en ai deux je pense, c'est Milobelus, je le trouve archi élégant ce Pokémon. Et Feu Faux Rêve, j'adore ce Pokémon. Qu'est-ce qu'il nous fait là Pikachu? Arrête ça tout de suite. T'échapperas pas au jet de pierre. Giratina aussi, ouais. Il est beau Milobelus, hein. Franchement il est trop beau ce Pokémon là je trouve. Je le trouve très joli. C'est pas très efficace, vas-y tape-le là. Hippo-Roi, je le surkiffe. Hippo-Roi, ouais, c'est vrai qu'il est beau aussi. Hein. C'est un beau Pokémon. Il est trop classe, Milobus. Hein, il est trop joli. J'adore. Salut Asaina, ça va très bien. Et toi, comment vas-tu? Stop de faire ces attaques-là. Allez,
Arcane. Purée, c'est fou ça. Onyx, il va prendre 50 levels là. J'ai un Mew. Ah ouais, tu l'as chopé comment? J'adore Watt Watt. Il est tri. Ah, ils sont mimi en vrai. Je comprends. Ah, c'est le code qu'ils avaient donné. C'est vrai, je me souviens. Niveau 8, l'énergie. Mais je me disais, les tri. Je sais qui est tri. C'est pas le Pokémon que je pense. Mais l'énergie et Mimi, ouais. Je me rappelle, je les avais en carte, Watt Watt et l'énergie. Et c'était mes premiers Pokémon en carte, je crois. Enfin, un morceau de mes Pokémon en carte. Enfin, une partie. Un morceau. Bonjour le train suivant. Beaucoup de trains ce soir. Hein. Faut qu'on aille se soigner là, parce que là, c'est la merde. C'est long, j'ai l'impression que c'est vachement long les déplacements par contre. Pas courir genre. Plus vite que ça, genre, j'ai l'impression qu'on marche vite là mais... Ma belle. Mais tout ma belle. Oh la chopé avec une super, super beau, je sais pas. Je les ai en carte, je sais pas comment je les ai eus parce que mes parents n'ont jamais acheté, mais du coup c'est pour ça que je les adore. Oh non, trop mimi. C'est trop mimi, c'est vrai. C'est un chichou. Et je parle pas de chirachou quand je dis ça. Ok, alors on va aller se balader un peu. Un poco, un poquito. On va un peu faire monter les niveaux. Même si je pourrais hein, décider d'aller affronter Ondine. Ah ouais, mais là... Il y a combien de dresseurs? Bon, on va se les faire. J'espère qu'ils vont donc qu'un seul. Tu m'en passes un peu, t'as oublié de me passer mon argent de poche. Non, désolé. Il faut être stylé pour en avoir. C'est le premier mot qui m'est passé par la tête. Ça aurait pu être... il faut être... J'ai pas d'autres mots qui me passent par la tête. On va faire un petit foliane. Bah, je suis stylé. Non. Désolé, sinon ça veut dire que je vais t'en. Mais par contre, les mythos là, c'est un peu long, un peu long. Hein. Fais un effort, tes subs de fou. Ah, ça y est, un peu mieux, un peu mieux. Aïe. Salut Jaouto. T'as acheté le jeu alors? Parce que franchement, il est trop cool. Il est vraiment cool, j'aime beaucoup pour l'instant. En tout cas, le jeu, je le trouve très sympa. Il est beau esthétiquement, je le trouve très beau. Il est tout mims. C'est un autre style de jeu que... auquel je m'attendais pas spécialement. Et je suis très contente, franchement, il est très cool. Et ouais, franchement, que du positif pour l'instant, le jeu. J'ai une bonne équipe en plus, je suis assez contente en vrai. T'avais personne XP quoi. Les combats ils sont tellement longs. C'est abusé. Salamèche, mais j'ai pas de feu avec Salamèche. Il tape normal. A chaque fois, en fait, je me dis j'ai la flemme de perdre un tour, tu sais, pour changer de Pokémon, mais en fait, je devrais. Ah. C'est perfect. Puis c'est dis-moi que ça va aller vite. Psycho, quoi que c'est fluffy pour moi. Pendant un long moment, en fait, quand elle était enceinte de Lana, Fluffy, ça pépé sur Discord, c'était Psycho Quack. Ah oui, ça vient de français. Du coup, pour moi, c'est vraiment Fluffy, ce Pokémon. Si elle devait en être un, ça serait Psycho Quack. Mais ouais, dans ce jeu, par rapport à Épée... Ils sont oui, c'est vrai qu'on les voit, en effet, ouais. Il y en a beaucoup, des Shiny. Est-ce que les chances sont accrues dans ce jeu-là par rapport aux autres, ou c'est comme les autres? Pour en avoir, c'est pareil, non? C'est la même chose, non? Putain, il y en a 47 des mecs là. Coucou Lox, comment ça va? Tu vas bien? Tim le gamin veut se battre. Envoie un quoi? Un sablette. Oh là. C'est fort, herbe contre. Ça, mais non, c'est l'eau qui est fort. Est-ce que j'ai un Pokémon eau? Non. Pas encore. Foliane, on va tester, je sais plus. Ah ouais. Ok. J'ai rien compris.
Ouais, c'est vrai que le chat a dit que tu mangeais du caca tout à l'heure. Je sais plus qui a dit ça, mais c'est vrai que ça a été dit. Ah, mais bizarre, monte niveau 15, super. On va pouvoir, on va finir la ligne quand même, on va pouvoir aller à l'arène. Lox Biscato, c'est... Je crois que c'est les mêmes, et oui, mais seul c'est fort contre poison, je crois. Contre poison. Ok. J'essaye d'apprendre les types, hein, mais il y en a tellement, je vous jure, ça me mélange. Ça deck gras. Je sais pas pourquoi ils ont dit ça. Je sais pas, Lox. Ça t'allait bien, je pense, du coup, ils se sont dit... C'est sûr, il fait ça. Est-ce que le type normal est fort contre le type normal ou pas? C'est quoi qui est fort contre le type normal? Je sais même plus. Oula, il m'a déglingué ma gueule. C'est combat. C'est fort ça, non? Oh, ça va. On va continuer. Roshima! Je me rappelle que les Pokémon qui faisaient morsure sur mon Torterra, sur Platine, ils me défonçaient tout le temps. Ils me défonçaient, genre. Ils me déglinguaient. Là, ça va, j'ai l'impression. On a battu Lafayette. Le nom Lafayette. Rip Torterra, je te jure, il te défonçait. C'est Spec qui sert à rien, ok. On aura fait tout le monde avec juste un seul Pokémon, hein, quand même. Salut Nefert, comment ça va? On a une variété de pattes. Torterra, ouais, c'est vrai qu'un peu, ouais. Après, Lox, t'as jamais joué à ce magnifique jeu, donc... Ah, par contre, là, on va changer Bulbizarre, là, parce que ça va pas aller, hein. Pokémon... Allez, on va mettre Onix, en vrai. Salut Lilou, comment tu vas? On va se faire défoncer. Ce Pokémon est incroyable aussi, hein. Caninos, il est vraiment trop beau. Le Arcanin, il est... Waouh. Tortellini. Oula, il m'a fait mal. Il a fait un coup critique, ok. Donc moi, si je lui fais un jet de pierre, il va avoir mal aussi, non? Flamèche. Ah, c'est pas très efficace, ça. Et quand même, hein. Vas-y, fais-lui un jet de pierre. Salut Anoux, je t'invite à regarder le planning si jamais tu veux voir. On va lui donner une potion. Hop là. Planning. C'est trop. Le planning, il est sur le Discord si jamais. Je le mets pas pour rien en vrai, donc pensez à le regarder. Et là, on va refaire jet de pierre. Désolée pour le bruit horrible de cette beuverie là. Lox, pourquoi t'envoyais la photo là dans le Discord? J'ai pas compris. Niveau 9, c'est bien. Salut Ayana, comment ça va? Moi, ça va bien, merci, c'est gentil de te demander. Comment tu vas, toi? Ça, c'est qui? Encore un dresseur? Ah. Une pépite. Ah, putain, super. Oh. No way. Anoux, je viens de te répondre. Quand on pose une question, on essaye d'écouter, s'il te plaît. Parce que là, ça fait 3 fois que tu poses ta question. Du coup, je t'ai répondu, je t'ai expliqué tout. Les mots dans le chat, ils t'ont expliqué aussi. Là, tu ne nous écoutes pas, quoi. Tu poses une question, t'écoutes pas. Par contre, monsieur, faut arrêter, quoi. Je venais de terminer mes combats. Est-ce qu'on peut remettre le petit règlement au cas où, quand même? Ça finira au coin, hein, puni. Ah merde, il vient de défoncer là. Ah, quoi que ça va. C'est quoi qui est fort contre les Nosferapti là? Je les déteste ces Pokémon là, je n'aime pas. Pokémon. Qu'est-ce qui est fort contre ça? Ce type vol.
Ah, il a tornade, allez, vas-y, viens. Ah oui, c'est vrai, c'est vol, ouais. Oh là là, il est mimi. Ah. Là, ça, c'est vraiment moins mimi. On va faire une petite tornade. Super. Anyways. Salut Destiny. Ouais, c'est vrai que ça remonte un peu. Rafiré, hein. Mais vraiment trop bien la première génération. C'est vraiment la base des bases. Non, non, c'est ça, Lolo. C'est ça, je crois. Hein. Niveau 12, let's go. Il évolue plus, un Papillusion. Hein. Il reste comme ça après. Niveau 12, ça c'est bien. Let's go. Smogo. Non, vas-y, on continue. Ouais, il reste comme ça, hein, ouais, ça. J'ai un petit doute. Pourquoi ils mettent pas là les attaques qui sont fortes ou pas? Plus on évolue plus, ouais, c'est ça. Purée de poids, bah j'évite l'attaque en fait. Petite tornade encore sur Smogo. Je déteste ce Pokémon, il est horrible. Smogo, Nosferapti, tous les Pokémon comme ça, je les déteste, ils sont trop moches. Gros tas de morve aussi, il me dégoûte. Non, j'ai pas de psy, je crois. Il me semble pas que j'ai de Pokéball qui a d'attaque psy. Putain, il y a des moustiques. Putain, les moustiques qui rentrent. Attendez, je vais fermer la fenêtre parce que là, ça fait que rentrer. Hop les... Ils ont pas choisi. Bah, j'aurais préféré qu'ils choisissent. Bref, allez, on va aller faire l'arène. Avec Bulbizarre, ça devrait le faire. On va aller soigner. On va faire l'arène Bulbizarre. Avec Ondine. Donc ça, on va pouvoir stonks. Est-ce que je peux pas descendre là? Si. Perfect. On va soigner. Hop. Donc cet enfer, c'est quelqu'un. Ah, il est trop moche ce Pokémon, je trouve. Je trouve hideux. Vraiment, genre, au secours. En plus, il peut apprendre Canicule. Ça sert à quoi Canicule? C'est pas grand-chose, si. Son Team Rocket, ils sont moches. C'est bien dit, ça. C'est bien dit. Je suis allée en terrasse avec des potes. On s'est fait charcuter par les moustiques. Arrête, c'est vrai? Au secours, Marvin. À l'aide. C'est bon, on l'a déjà fait. Griller les baies, ça sert à rien. Ah, super, c'est vraiment utile, alors. Chitiflore, on dirait qu'il fait des injections. Boostiflore, surtout. C'est vrai, Boostiflore, c'est un peu la Mavaganam du game, tu vois. Salut Jessie, comment tu vas? Allez, Zou. Tiens, mon Bulbizarre. Mais attendez, il y en a 3 là. Oh, génial ça. Incroyable. Incroyable l'arène. Je m'ai demandé comment ils allaient venir jusqu'à moi, justement. Ça, c'est Pokémon Let's Go Evoli. Ah non, le maillot de bain et tout. Poissy, poissy, poissy reine. Là, je suis dans les levels entre 10 et 15 dans le jeu. Mais ils sont level 16. Oh putain, ça fait mal ça. Poissy, poissy, poissy reine. Vive attaque. Coucou Liam, comment ça va? Elle en a qu'un, ouais, elle en a qu'un. Je pensais qu'il va falloir qu'on soigne à chaque fois. J'avais galéré, c'est vrai? Je vais mettre. Je vais soigner mon Pokémon. J'ai la flemme de. On va faire de les soigner. Un truc, on va mettre une potion. Soulis. Je peux pas lui donner? Poche soin. Putain, je veux trop de boutons. Bah, elle est où la poche soin? Ah, la trousse de soin, putain, je suis con. Putain, je fais B, je comprends rien avec les manettes, je suis insupportable. Ok, my bad.
Ok, hop. Suivant. On les fait tous, on prend l'XP, nous on est. Je pense pas. Tom Nook is not here. Today I play at Pokémon. La motricité, non mais c'est horrible. J'ai vraiment ralenti. Oh, sa grosse langue là. Cookie Cass, je le déteste ce Pokémon, il est trop moche. Éclat glace, mais il me défonce, il a que des attaques comme ça. Elle a un Léviator, non, Ondine. Lynn, je suis mort. Je pense pas que j'ai le niveau encore. J'ai pas le level, je pense. Hein. Je vais prendre Pikachu. Et Voli. Je vais ressortir, je pense. Un Staros, ça c'est le Staros. Aïe aïe aïe. On va aller XP un peu. Je sais pas avec quoi va lui faire du bien, mais. Je suis en folie, mais là. Allez, bisous, bye le coquille casse. Ok. On va ressortir, on va aller se soigner, puis on va aller XP parce que là, elle va nous défoncer. Je vais pas pouvoir faire tous ces Pokémon. Elle en aura 3, je crois. C'est 3 Pokémon avec juste un seul Bulbizarre. Il va me défoncer. Faudrait qu'il XP un peu. Limite qu'il monte son niveau. On va aller voir s'il n'y a pas d'autres Pokémon à choper. Peut-être des plus puissants, des mieux. On va voir. Allez, c'est mardi. On va aller voir. Désolée, je viens de bailler littéralement. Je viens de vous bailler dessus quoi. Zing zing. Zou zou zou. C'est à voir s'il est haut et psy. Il est tombé bizarre alors. Alors attends, je suis poison. Faudrait que je prenne qui comme Pokémon contre Staros? C'est quoi vos meilleurs conseils? Bah vas-y, on va te capturer hein. Mal de dos, au secours, les mal de dos c'est l'enfer. J'ai vraiment lancé partout sauf ici quoi. Je comprends pas comment. Ah. Mais jure! J'étais bien là. Ok. Je galère un peu à les choper hein. À comprendre avec la manette et tout parce que je suis sur le côté et tout. Enfin. Ah, on va lui donner une Béframbie là. Il ne fera pas chier. Quel enfoiré ce Pokémon. Salut Ambre, comment tu vas? Putain, elle aura loupé quoi. Mais Béframbie, yeah. C'est Rondoudou le meilleur chat, je le sais donc sur ce sûr. Oh, j'ai Tiflore. Salut. J'ai pas acheté assez fort. Mais c'est pas là-bas que je jette. Je jure, je galère trop. C'est pas possible d'être con comme ça, hein. C'est ouf, hein, de galérer parce que tu tiens mal le Joy-Con dans la main. Putain. Bon app, Linux. Oh, excellent. Pitié quoi. Mais rentre quoi. Tu te fous
de ma gueule, Marvin, ou c'est moi? Ça va, Letty, et toi? Comment vas-tu? Faut juste que je prenne des Super Bowls, en fait. Sans clochette dans le jeu, t'inquiète. Je suis pas sûre de ça. Je suis vraiment pas sûre. Shitty flop, ouais, bah, shitty flop, là. Compte shitty flop. Meuf qui pète un cap sur sa shitty flop, tu sais. C'est quelqu'un, c'est un dresseur ou pas? Ah. Oui. 53 billes. Ouais, écoute, ça va, Letty. Ce midi, je suis allée faire une petite terrasse avec mes anciens collègues. C'était vachement sympa de pouvoir un peu les revoir. Ah, superbe, bonjour. Super, un super Pokémon en fait en face. Hein. On remarque, on remarque. Et toi, Letty, ça a été ta journée? Oula, c'est pas très. Bah alors, Lolo. Il est trop moche ce Pokémon, je le trouve horrible, Piaf avec. Bah te dev, bon ça va, je suis niveau 15. Puis il m'attaque pas trop là donc. Encore une fois, parce qu'il utilise que des attaques de merde alors. Au bout d'un moment. Bon. Bien aussi, merci. Bon alors tant mieux alors. C'est le Poké qui agresse Sacha et Pikachu dans le premier épisode. Ouais, y'a moyen. Piaf avec, tout le monde le déteste. Je l'aime pas. Je suis bientôt niveau 16 avec mon super bébé bizarre. C'est combien, c'est 16 qu'il évolue? Superbe. Il sous ma gueule, il a esquivé. Mais c'est une blague. On est là pour faire des acrobaties de cirque ou quoi, là? Je crois que ça coûte 30 centimes, les Super Bowl ou quoi? Putain. Je me disais quand même. Je crois que je l'avais déjà. On veut de l'XP, en fait. Yes, Bulbizarre est monté niveau 16 et Evoli niveau 17. Ça, c'est bien. Oubliez... Ah ouais, morsure, ouais. Vas-y. Vas-y, rugissement, en fait, on s'en fiche un peu. Tadam! Il a enfin une attaque, le type attaque. Dans une poche de surprise. Ce genre. Ouais! Mon but bizarre, il évolue! Attendez, je me rapproche, je suis plus cadré correctement. Oh my god! Ouais, but bizarre! Ouah, mon air bizarre est trop mignon. Ça va être tellement handicapant d'avoir un truc aussi lourd sur ton dos par contre. Devient shiny. Non, j'ai marre. Stylé. Il est beau, hein? Ouais, ça, super. Allez, casse-toi. Ok. Ah, il va me donner son Salamèche, mais je vais en avoir deux. Mais j'en ai trouvé un dans la nature, donc je m'en fiche de ton vieux Salamèche. Le mien, il est mieux. Il va me taper, lui. Hein. Ah, quoique. Oh, Psychoquack, Fluffy! Fluffy, c'est toi! Je te reconnais. Super! Ah, je team Carapuce aussi, Marvin, j'avoue tout. J'ai les deux autres, mais j'ai pas Carapuce. J'ai une Fluffy dans mon équipe! Ouais! La pauvre Fluffy. Let's go, Onyx, Salamèche, Pikachu qui up. Ça, c'est bien. Salamèche, c'est bien qu'il évolue aussi. Frénésie. À la place de ça, vas-y. La hook. Dis-moi que Salamèche t'apprend une attaque feu, genre. Voilà, merci, Flamèche. Pikachu monte niveau 12. Pikachu veut apprendre reflet. Vas-y, on enlève ça. Ouais, ça veut pas apparaître avec l'évolution. C'est ça, tout à fait, Marvin.
Merci d'avoir expliqué ce que je ne pouvais plus expliquer. Psychoquack. Vas-y, on met la Pokéball de Psychoquack. Je récupère ça. Ok. Ah. Je faisais genre, je l'avais pas vu, mais je l'avais très bien vu. Hein. Il était vraiment devant mes yeux, comment ne pas le voir? Comment ne pas le voir? C'est vrai que le gamin balance un Topiqueur. Et je crois que ça va me faire peur, un Topiqueur. Putain, c'est un des Pokémon nuls, je crois. Vraiment, Topiqueur, quoi. S'il fait pas tunnel ou séisme, il sert à rien, quoi. Je voulais pas faire ça, mais j'ai fait ça quand même. Bah, c'était super efficace. Oh la gueule. C'était vraiment très proche. Je le trouve trop nul, ce Pokémon. Genre, je le trouve vraiment inutile. Allez, le petit enfant. Ah non, Shirachou. Salut BZH, ça va et toi? Comment tu vas? Ah mais putain, mais... Y'a pas une Pokéball là? J'ai cru qu'il y en avait une. Ah. Si, y'en a une. Oh là là, tous les dresseurs qui viennent m'attaquer là. Topiqueur, je le vois. Je vois le même. De lui avec un corps musclé qui se cachette. C'est vrai. Un Rookups. Oula. Ça, par contre, je suis moins fan de l'idée. On va envoyer Salamèche. Niveau 15, hein. Salamèche est niveau 13. Bon, ça va. On va lui faire un Flamèche. La seule attaque feu qu'on a. C'est fort le feu contre le vol, on est d'accord, hein, oui. Qu'est-ce qui est fort aussi contre le vol? Arrête de faire baisser ma precision. Électrique, ah oui, électrique. Mais stop de jeter du sable là. On est où pour jeter du sable aux gens? Ça fait longtemps, ouais, c'est clair. Par contre, il ne douille pas. Hein. Je vais avoir mal là. C'est neutre feu contre vol. Oh, merde alors. Pikachu. Toute ma vie, j'ai cru que feu c'était fort contre vol. Il te baptise avec le sein. Électrique roche et glace efficace. Ah, glace, ouais. Ma petite Pikachu. C'est une petite Pikachu. Ça va pas être efficace, pas très efficace, ça fait quand même mal, hein, cette histoire. Un peu mieux. Un peu mieux, un peu mieux. Vas-y, ma Pikachu. Do it! Do it! Aïe. Ah! Ça fait mal ces conneries là! Pitié, dis-moi que tu fais genre une attaque de merde. Eh ben non. Bah dommage, je pensais qu'elle allait faire genre un truc nul. Aïe aïe aïe, on va devoir utiliser notre super bonix et lui faire un truc en mode jet de pierre là. Ça va, il devrait le tuer en vrai. Elle pourrait le manger même carrément. Jette-lui des pierres, vas-y. Salut Pizza, comment ça va? Aïe. Salut Showa. Bah t'as loupé le tournoi Mario Kart. Et puis là écoute, on est en train d'essayer de tuer ce dresseur là. Mais il est en train de me défoncer. Je n'apprécie vraiment que très peu quoi. Pourquoi je peux pas lui faire ça? Je le loupe à chaque fois, c'est ça qu'il est en train de me dire? Putain mais c'est un enfoiré, il fait que d'éviter. Ça y est, enfin! Au bout d'un moment, faut aller. Hein, voilà! Putain, c'est trop. Ce serpent de rocher me fait penser à Rock. Je l'avoue un peu. Ah, Papillusion niveau 13, let's go. Poudre toxique, vas-y, on prend. On va enlever charge, tiens. Bah non, pourquoi Anoux? Pourquoi? C'est moi, c'est qui a les mottes là? Ah, je connais pas. C'est un gros lème. Ah ouais! Parasport!
Bah alors, il en apprend plein, là. Sécrétion, c'est quoi? Ouais, vas-y, on enlève ça. Il en apprend deux d'un coup? Oh non, j'ai cassé mon chouchou. Il s'est tout détendu. Le truc, il s'est cassé à l'intérieur. Ah, trop nul, quoi. Trop nul. Poudre dodo. Non, mais ça y est, là. Il apprend tous les trucs de poudre, là. Touloulou. Oui, respectez-moi, je suis un crôlé. Merde, il est là. Merde! Putain, il est là. Fallu, Fafa. Ah merde, vas-y, l'autre qui me tombe dessus. Je l'avais oublié, lui. Encore les mecs des rochers, ça, je le reconnais. Mais là, il va me bloquer, je pourrais plus sortir, ça. Ce genre-là, en fait. Putain, chier. Allez, tiens. Ton Pokémon, là. C'est le sang de la veine, c'est montagnard. Ils ont l'air trop gentils. Non, c'est des enfoirés. Moi, je les déteste. Putain, stop, Taiko, qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu parles en feu? Tu frimes? Je n'étais pas là. Bah si t'étais là, Anouk, si tu me poses une question, je te réponds à ta question. Et tu me reposes la question, alors je viens de te répondre. T'es forcément là. C'est des papis gâteux. Ça soit c'est des papis qui me bloquent et que je peux pas retourner en arrière, surtout. Ah, si, par là. Alors, on va retourner... se soigner et on va revenir. Quoique, peut-être que... Bah non, je vais me faire défoncer. Oui, mais j'étais parti. Bah alors pose pas de questions si tu pars. C'est pas logique cette histoire là. Ne posez pas de questions si vous partez. Elle rentre dans la tête. Ouais, c'est vrai que la musique elle rentre vachement dans la tête en vrai. C'est logique, Anouk. Tu poses une question, tu attends la réponse. Sinon, ça sert à rien de poser la question maintenant. Si tu sais que tu pars. Salut Soussou. Comment ça va? Mais du coup, je te disais, Anouk, parce que du coup, t'as pas l'air d'avoir entendu. Je te disais que le planning il était sur le Discord. Que je m'embêtais à faire un planning toutes les semaines exprès, à le mettre tout bien, à expliquer tout bien sur le Discord. Donc, que je te disais, en gros, t'as qu'à rejoindre le Discord et t'auras le planning dans le planning, quoi. Mais pourtant, ça, je le dis depuis je sais pas combien de temps maintenant. Je le mets sur tous mes réseaux, donc si tu me suis un minimum, tu le vois bien le planning. Tu vois bien quand est-ce que je stream ou pas. Discord, je ne suis pas sûre. Discord, putain, lolo. Discord. Ça, c'est marrant. Ok, bon, je vais pouvoir attraper du coup la Pokéball qui est là. C'est particulier de jouer une main. Bah, sur Switch, je vois. C'est un jeu Switch. Ah putain, encore un montagnard. Je les esquive. Là, je vais pas pouvoir esquiver là. Non, mais là, c'est trop. Discord à 6 cordes. Moins 4 sur Discord. Mais même sur YouTube, je le mets le planning en général, Anoux. Je l'ai mis cette semaine, je crois aussi, le planning. Et en général, c'est la même chose toutes les semaines. Donc t'as bien dû le voir. On pourrait mettre des commandes alias pour Lolo, non? Genre D pour Discord, je pense ça là. Il trouverait le moyen d'écrire DD. C'est sûr. C'est Lolo, hein. Tout le temps, les combats, ouais, j'essaye, mais... En vrai, faut pas trop les esquiver parce que ça te donne de l'expérience. Donc d'un côté, c'est bien, mais c'est juste que c'est trop long, quoi. T'as envie d'avancer. Il va écrire pour exclamation F. C'est clair. Après, on peut, hein, Lolo, si tu veux. Je peux faire une petite pour exclamation D, hein. Si t'as vraiment la flemme et que t'en as marre, on peut faire ça. Stop de vous moquer. Ah, lui, il m'a pas attaqué. Je pensais qu'il m'attaquerait. Puis tu sais, comme ça je les laisse là et puis quand... En fait je me dis quand j'aurai... Ah je peux pas passer derrière lui.
quand j'aurai un Pokémon, enfin quand je repasserai là, bah je retomberai sur les combats et je les défoncerai en 2-2. Ça c'est le correcteur téléphone, c'est pas ouf aussi. Bah ouais, mais bon, le français a quitté les lieux. Il aura un ordinateur quand il aura un ordinateur, hein. Oh, superbe. Franchement, j'aurais pas pu rêver mieux comme combat. C'est pas ironique. C'est un super Pokémon, mais Magikarp, vous parlez trop mal de lui. Ayame ne sait plus taper sur un clavier. Oula. Oh, Dinonette qui nous met un petit loto. Bah écoutez, voilà, fais ça. Loto, let's go. Foliane. Allez. Mais qu'est-ce qu'il dit, Taiko? Je comprends pas. Niveau 16, let's go. 17, pardon, my bad. C'est bien, c'est bien. Allez, n'hésitez pas à miser pour le loto, sinon je devrais l'annuler. S'il n'y a pas tous les chiffres qui sont misés, je devrais annuler le loto. Parce qu'il m'a soulevé. Voilà, il y a le chat qui l'a remis, le Discord, c'est le lien. Faut lire le chat aussi, hein, quand vous posez des questions. N'attendez pas uniquement ma réponse, c'est un truc que je dis régulièrement. Lisez le chat, il y a des commandes qui passent, il y a des liens. Lisez les messages des bots, etc. C'est important. Mais qu'est-ce que tu me racontes, Taiko? Pourquoi tu... C'est trop de concentration, là. Je comprends rien. Oh lolo. Pourquoi? Je comprends rien à ce que tu racontes. C'est quoi cette maison? Chez Léo. Qui est Léo? Waouh. Mignon. J'ai un délire avec moi-même. D'accord. Oh Léo le S. Oh! C'est le gars qui a créé les boîtes de stockage. Ah, d'accord. Oh! Ah, je plaisante, appelle-moi Léo, je suis un vrai Pokémaniaque. Qu'est-ce que. Tu me crois pas? Pourtant, c'est vrai, j'ai raté une expérience, mais voilà, je change de Pokémon. Tu me crois maintenant? Tu m'aides alors? Oui. Mais dans le téléporteur, j'ai besoin que tu lances un programme sur mon PC. J'ai leur dit juste là, t'as bien compris, faut juste lancer le programme. Vas-y, je compte sur toi. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas que c'est urgent, mais si, alors dépêche-toi. Vas-y, vas-y. Pour le loto, miser 4, 5 et 8, sinon je devrais annuler la prédiction. Allez là, on mise. D'habitude, vous êtes plus joueur que ça quand même. Salut Feno. Je vais impérativement faire ma vaisselle. Oh my god. Ça, c'est une bonne initiative, ça. C'est une bonne initiative. Mais que se passe-t-il? Ma poulette. C'est trop. Oh. Ah oui. Sympa la fumée. Slay, monsieur, bonjour. Automode, la poulette, il passe pas. Hein. Pour question d'identité. Ah, de misogynie, Askip. D'accord. Parlez à Fanou sur son automode de tes os, ma poulette. Ah putain. On va avoir des passe-bateau. Ah, oh, super. Il est BG, hein. Il est BG, le Léo, là. Allez, faut miser 4 maintenant. Ah si, c'est bon, il y a une personne qui a mis 1 point. Slay. Ok, bah super, et du coup... Allez. Bon app à... Putain, faut que j'arrive vraiment à lire ton pseudo d'une seule traite. Aliana. Salut Pandalia, c'est Pokémon Let's Go Evoli sur Switch. Il est trop mimi ce petit jeu là pour l'instant, franchement j'aime bien. Tu veux pêcher un Pokémon? C'était pas un Pokémon, c'était un monsieur. Bonjour, t'es stylé toi? Pour des rendez-vous galants, qu'importe. Je fais de croix sur ces utopies pour me consacrer au coaching. Je suis très forte, tu sais, je peux te montrer si tu veux. Vas-y, j'accepte. Ah, mais elle me donne un combat. Léo et Ondine en même temps. Oh, les deux d'un coup, purée. Machoc. Salut, Simmumi, t'inquiète, y'a pas de problème.
T'arrives quand tu peux, hein. Comment tu vas? Tu vas bien? Est-ce que Fouelian? Oh non. Oula, frappe Atlas, ça c'est... Aïe. Frappe Atlas, c'est pas l'attaque qui fait le nombre de dégâts par rapport à mon niveau. Faut que j'envoie quoi contre Machoke? Papillusion? Je vais lui faire Tornade, c'est vol contre combat. Allez, n'hésitez pas à miser pour la prédiction, là. Vous êtes des petits joueurs, hein, vous osez pas miser et tout. Et leur cœur, là, je m'adresse à vous en particulier, parce que je vois que les gens qui parlent dans le chat, là, ont misé. En partie. Allez, tchuss. Ah, il est pas mort. Personnaliser son avatar. Bah écoute, je sais pas trop. Pas, en tout cas, je suis pas encore arrivée à là. Merci, Francine, pour les cœurs, c'est gentil. Ouais, de fou, t'as grave dépensé en plus, Jen. Salut Cléa, ça va et toi? Comment vas-tu? Comment tu vas? Laurie le coach. Oh là là, dommage, j'ai battu Laurie le coach. Flûte alors. Frappe Atlas, c'est bah superbe. Merci. Elle est forte, en fait, elle est forte la. L'attaque là en vrai. Ah, il y a une petite Pokéball là. Flacon de parfum, mais j'en ai plein. J'ai 0 points si je perds. Qu'est-ce que t'as fait? T'as misé quoi? Mais t'as 0 points déjà là. Enfin, t'as vraiment pas beaucoup misé quoi. Tu me fatigues chez moi. Ah, trop cool Lonia, ça je pourrais changer alors. Mais où je vais là? Où suis-je? Je suis dans le trou du cul du monde là, j'ai l'impression. Ah d'accord, superbe. Bonjour madame. Cette maison a été cambriolée. D'après les témoins, ce sera encore un coup de la Team Rocket. Les pauvres gens qui vivent sont tous secoués. Oh non. C'est horrible ça. L'horreur. Allez, on va soigner puis on va essayer d'aller défoncer le boss. Allez, Ondine, on va aller la défoncer. Voilà, j'ai misé maintenant. Je veux gagner, sinon je porte plainte. Oh non. Putain, t'as vraiment plus de points chez Emma, tu te rends compte, t'as eu 90 000. Hein. Ouais, trop. Aujourd'hui, j'ai appris que j'allais partir en voyage scolaire en Grèce. Oh la classe, c'est trop bien, Cléa. Tu pars combien de temps? 10 jours? Une semaine? 2 semaines? Ah, c'est trop bien ça comme voyage scolaire en vrai. Trop trop cool. N'hésitez pas à essayer d'équilibrer la prédiction. Là, je vois qu'il y a des. Genre le 8 où il y a que 60 points qui sont misés. N'hésitez pas à mettre plus, hein, vous allez rien gagner là comme ça. Mais la queen, mais grosse saute. Qu'est-ce qui t'arrive, Shima? Tu deviens vulgaire. Tu deviens vulgaire. Merci Francine, c'est gentil. C'est gentil, c'est gentil. On sent Pokémon de l'intérieur, c'est gentil. Regardons. Lui? Petit évolué. Ah ouais. Vas-y, vas-y. Ok. Ça c'est eau. Dynamo c'est quoi? Et flambeau c'est feu. J'ai pas de Pokémon eau pour l'instant. Je lui mets eau. Dynamo c'est quoi? Prends les trois. Ah, je vais prendre les trois. C'est quand même mieux que ça. Dynamo c'est électrique, ok. Ouais, vas-y. Ah, je vais prendre les trois, je croyais que c'était un seul. Salut Winnie, comment ça va? Donc on peut apprendre les capacités de cheat hyper tôt en fait, je pensais que c'était grave plus tard moi. Je suis en train de rouler sur l'arène avec l'Evo Dynamo. Ouais, c'est clair. J'enlève quoi là? J'enlève morsure? Ou j'enlève double pied? J'enlève quoi? Les pros des Pokémon là. Vous me conseillerez quoi? Bon app, Shaima! Morsure?
Double pied, j'enlèverai. Mettez-vous d'accord, s'il vous plaît. Ah, let's go, Winnie, trop cool. Bah, bienvenue à toi, alors, sur Twitch. Double pied, c'est trop pratique, morsure. On voit toutes les attaques. My bad. Double pied, ton Pikachu peut l'avoir. Je crois qu'il l'a même. Mon Pikachu a double pied. Allez. Allez. Ok, superbe. Allez. Wouh. Mais du coup, on n'a même pas besoin de vue bizarre en fait. On va essayer avec Evoli. Enfin, Bulle Bizarre, c'est Air Bizarre maintenant. Pour l'avant-ville. C'est vrai que c'est dans ce jeu l'avant-ville. Oh my god, j'avais zappé ça. Bonjour à toutes les personnes qui arrivent, j'espère que vous allez bien. Allez, petit dresseur là. Plonge. Ondine, mais adorable quoi. Elle est trop belle avec sa petite couette. Son petit short là. Je sais pas, ma Switch, tu donnes trop envie de jouer, c'est vrai. C'est dans planning, Anoux. Faut que tu lises et que tu acceptes le règlement, que tu choisisses tes rôles. Tout est expliqué. Et après, tu vas dans planning. Oh non, mais bébé, trop mimi. Trop mimes, quoi. Vas-y, je vais regarder comment ça fait, ça, Evo Dynamo. Aqua Jet, cette attaque est trop cool, je trouve. Je l'adore, c'est mon idole. Et son redesign est incroyable, trop belle. Oh, paralysé, le petit loup. Olga du conseil des 4. Ah, bah Olga, je verrai. Pour l'instant, je sais pas quoi elle ressemble. Et B, c'est vrai que c'est cheat un peu. Hein. Et Pikachu, parce que du coup, dans Let's Go Pikachu, t'as Pikachu. Il a pas ce genre d'attaque cheatée, si. Est-ce qu'il évolue ou pas? Le Pikachu de Let's Go Pikachu, est-ce qu'il reste comme ça? Waouh, elle est trop belle! Attaquer encore et encore avec des Pokémon. Ok. Si, si aussi. Ok. Et c'est 3 comme ça ou. Que règlement et oh là. Bah, règlement du coup. Il faut que tu le lises et que tu acceptes. Enfin, faut que tu. Tu sais, tu mettes la coche. Merci Serena pour le follow. Bienvenue. Quelle beauté. Ouais, elle est trop belle, on dit. Ah, c'est vrai qu'elle a un psycho-quack. Ah, désolé, mais il va morfler le psycho-quack. Niveau 18, hein, purée. 100% de chance d'infliger un statut sur ses attaques signatures. Ah ouais? Ah, d'où pour ça qu'il y a la paralysie et tout. Ah, c'est bien ça. C'est vraiment cheaté, hein. C'est facile alors. C'est grave facile alors si à chaque fois on lui paralyse, on lui brûle. Et l'eau, c'est quoi? Waouh, niveau 18. C'est cheaté en vrai, hein, purée. C'est vrai qu'on roule sur l'arène, hein, parce qu'alors vous auriez dû me dire dès le début, j'aurais pas été XP. Dans tous les cas, fallait que je passe, mais. Staros, vas-y, on continue. Salut Axel, comment ça va? Il est vraiment beau, Staros, comme Pokémon aussi. Il est élégant, je trouve, ce Pokémon. Il me faisait peur quand j'étais petite. Ça va, merci. Oh, il m'a défoncé quand même. Il m'a fait mal, hein. On va le refaire. J'espère qu'il va pas me taper avant. Ok, super. Ah, let's go. On a roulé sur l'arène. En effet, vous aviez raison. Merci pour le tips. J'ai peur quand j'étais petite. Ah oui, il me faisait trop flipper, hein. Il me faisait trop peur. Allez, let's go le loto. Dis, Siri. Dis-moi un nombre entre 1 et 9. C'est le chiffre 7 qui l'emporte. Qui avait misé 7? Qui avait misé 7? On avait Alaok qui avait misé 300. Et c'était qui la deuxième personne qui avait misé 300? GG là. Vous gagnez beaucoup quand même, hein. Vous gagnez beaucoup. J'adorais Star. Starry. Starry, j'ai cru que c'était qui était légendaire. Puis j'ai vu Starry. Oh non. Badge cascade, on a deux badges, let's go en vrai, c'est bien ça. Allez.
Niveau 30, ébullition. Oh, j'adore cette attaque, elle est trop stylée. Je n'ai qu'une parole. Oh non, Shirasu, tu peux pas faire ça. Je suis gentille. Ah. J'ai secoué ma manette. Allez, récréation. Petite caresse, petite caresse. Oh, t'aimes pas les petites caresses? T'aimes pas les caresses? Tiens. Ah, let's go, Anoux. Let's go, trop bien. Merci d'avoir pris le temps de te renseigner, tout ça, c'est gentil. Allez, par contre, on n'est pas là pour faire la petite balade, là. Allez-y, on y va. Porte toujours bon agir attrapé, mes prédispositions. Qu'est-ce que c'est que ce mot? On le découvre. Kelly, j'ai du mal à les lire, mais là, si, je viens de te voir. Je regarde quand même, et merci Elisabeth pour le follow sur TikTok. A bientôt, let's go. Et GG pour vos level up à ceux qui ont level up. Putain, Shadow, il est niveau 15, hein, quand même. Ok, alors, la suite... c'est par où la suite de cette histoire? Il y avait la Team Rocket, là. Ça doit être par là-bas, non? C'est quoi, ça? Comment j'y vais? Ah non, mais j'ai été le voir, non? Je sais plus. C'est en gros, t'as des niveaux sur le stream, Anoux. En gros, plus tu restes sur le live, plus tu vas... Oh, un carapace! Plus tu vas, en fait, prendre de l'expérience et monter des niveaux. En gros, il dit juste là, il annonce les niveaux qui ont été pris. Reviens ici! Super petit carapace. Dans Pokémon Épée, tu peux avoir au moins ce que t'as à faire, mais pas dans les autres. Tu peux voir au moins ce que t'as à faire. Voilà, c'est, en vrai, c'est assez intuitif quand même. Oh non! Horrible! Ça fait cambrioler la maison. Oh, j'allais pas être poli avec Carapuce. Oh non! C'est des gigatraces? C'est quoi comme Pokémon ça? T'as loupé le loto? Ouais, t'as loupé le loto! Voli, tout le temps il dit voli, je comprends pas pourquoi. Ça a cassé le trou dans la maison, et ça y est, c'est trop. Ma sœur, elle a pas pu avancer dans Let's Go Evolie parce qu'elle était bloquée, elle savait pas ce qu'elle... Ah, c'est vrai? Je te crois pas. Viens, on se bagarre. Mon Evolie va être super fort, en fait. Bisous, Showa. Merci beaucoup d'être passé. Et mon Pokémon préféré, c'est Milobelus et Feuforef, je dirais. Oh, il est dégueu, le Ratatax. Il n'y a pas à être aussi moche. Vas-y, tiens, je vais te brûler. Tu gagnes un CXC sur le live, tu peux devenir streameuse à la place de la streameuse. Ah bon? Aïe, 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 désolé, Ratatac, mais c'est vrai que tu as l'air d'être brûlée. Au revoir. C'est un peu long, hein. Crofatal, avec ses grosses dents, là. Hey, ça fait mal. J'aime pas cette attaque Crofatal. Regardez-le comme il a la bouche ouverte. Il doit avoir mal au joue. Hein. Il doit avoir grave mal au joue. Retoupi. Feuforef, c'est mon Pokémon préféré avec mon doudou. C'est vrai, Shirachu, il est trop beau aussi. Tu veux mon Pokémon préféré? Comment ça, toi aussi, Feno? Mais c'est le Pokémon préféré de tout le monde ou quoi? Arrêtez, en fait, bande de voleurs. Re, Axou. Tunnel. Oh, bien ça. Milobelus perso. Il est trop beau, Milobelus. Ah non! Qu'y a-t-il par là? Je peux pas y aller, superbe. Donc en fait là c'est un passage. La maison de la dame est un passage. Mais on se prend pour qui là? C'est vraiment d'une... C'est si vilain. Tout ça pour aller sur la route 5. Y a pas à passer par des chemins comme ça. Oh non, y'a Voli. Il va vouloir me casser ma gueule. C'est quoi ça? Oh madame, c'est la pension?
Ah. Écoutez, on va lui confier un Pokémon. Ah non, mais je veux pas Pokémon de ma petite cœur. Trop mignonne la pension. Merci Clémou pour le follow. Oh non. Il va me casser ma gueule. Encore. On peut pas passer par le bâtiment d'entrée habituel apparemment. Ah, il y a une Pokéball, je l'ai pas prise. Mais juste une info sûre, si tu prends le souterrain, on sortira direct à Carmin-sur-Mer. Notre arène, par contre, il fait un peu sombre là-dedans. Et il faut qu'on ait flash, non? Attends, bouge pas. Oula. Voli, recule. Philali, il est mignon. C'est qui votre Pokémon préféré? T'avais un truc dans les cheveux, comment c'est arrivé là? Oh tiens, ah non, c'est un rappel. Je croyais que ça allait être flash. T'as smack. Arrêtez, parce que c'est voli, donc ça me fait peur. Ça me fait très peur. Passe bateau. J'en ai deux même. Tiens, t'en veux un? Trop gentil. T'as eu ça où? Pokémon super flippant qui t'a donné ça? Celui qui parlait? Ah, c'est pas vraiment un Pokémon. Ouf, j'ai eu peur. C'est donc Léo le Pokémon. C'est pour ça qu'il parlait. Ok, ça explique. Il a eu peur, il est parti. Évolue et toutes ces évolutions. Ah ouais, Gueline. Et donc, c'est clair, t'as vu Axo comment il est? Pokémon très léger à côté de la Pokéball. Attends. Je vais pas faire ça. Laisse-moi tranquille. Ok. Je peux pas passer par là? Ah ouais. Ah, il veut du thé. Il veut du thé, j'ai pas de thé, monsieur. Y'a rien dans les trucs là, je regarde dans les buissons. Mais... Bon, allez, on a pas trop le choix. Hein. Salut Dilly, ça va et toi? Bonjour monsieur, vous pouvez me soigner? Ah, y'a personne sur votre épaule par contre, vous avez menti. C'est Mimi, comment c'est fait? J'adore. Oui, ça va, bon, tant mieux alors. Repousse. Vraiment, on est dans les métros quoi. Shaymin, ah ouais. Ah, il est beau, forme céleste, c'est clair, il est joli. Hein. Il est joli. C'est longué, hein. Flacon de parfum, c'est si long par contre. J'ai plein de parfums dans mon sac là. J'espère que c'est des Dior au moins. Ça vaille un peu cher, au minimum. Bonjour madame. Ah ouais, j'ai déjà volé leur parfum. Oh, oh my god, un Goopix. Ça j'adore. Chevalide, Goopix, j'adore ce Pokémon. J'adore Fenard, j'adore ce Pokémon. C'est une forme... Ah, c'est une Mimi. Oh non, il est tout petit. Il est petit. Le petit loulou. Dis-moi que je l'ai. Ouais, je l'adore. J'adore ce Pokémon, il est trop mimes. Ouais, Stonks, Evoli. Niveau 19. Herbizarre niveau 18. Il est trop beau, vraiment. Goopix, c'est un de mes Pokémon préférés aussi. Je pense que c'est le troisième. Je pense que c'est le troisième. Ça aussi, j'ai recommencé Animal Crossing. Je vais, c'est vrai. Tu as donné envie de recommencer tous les jeux auxquels je joue. Oh, le Ratatak. Ah merde. Bonjour monsieur. On dirait genre. Bah, c'est un gentleman. Les renards, c'est les best. C'est pour ça qu'on les aime tous. Ouais, j'avoue que c'est peut-être pour ça. Florent, le gentleman. Oh, monsieur, excusez-moi, vous avez vraiment pas été. C'est une blague? Ce combat est déloyal. Je n'apprécie pas. On va le faire flamber. Voilà, bah fallait pas me chercher, hein. Ah, il me casse ma gueule.
fracasser contre les jeunes demoiselles. Hein. C'est pas très gentleman tout ça. Le Goupy Zalola, il est trop beau. Et en effet, c'est vrai que la... mon Goupix, moi, enfin mon Goupix, mon Evoli, la queue, elle est plus arrondie. Et le Goupix d'en face, c'est un mâle, il a la queue toute, toute moche. Quand tu regardes bien. Ça sonxe comment là? Donne-moi les Pokéballs, moi je ramasse juste ça. Tout ce que je voulais. Allez, pousse-toi. Garde stats. Ok. On va récupérer ça. Super potion. J'aime bien voir les Pokémon qu'il y a dans les... dans les herbes par contre moi. Mon petit Rattata, franchement on s'en fout. Il n'y a pas d'autres. Comment je tourne autour. Il y a un autre Goupix. Un Tipara, ok. On va chercher l'autre Goupix en vrai quand même aussi. Ah, il y a un Abra. Il y a des Abra. Abra, j'aime bien ce Pokémon aussi. Ok, super. Je le prends quand même au cas où il est une des meilleures natures. Oh, une meilleure nature. Mais j'ai pas fait là-bas en fait, j'ai fait tout droit, faut arrêter de se moquer de moi. Genre je tire trop fort et tout. Là, je pète un câble. Je déteste ce jeu. Ok, c'est bon. J'aime pas Abra, je l'adore moi. Après il aura téléport je crois. Ah. Let's go. Te battre avec les autres, c'est pas... c'est un peu le but de la licence. Ouais, moi j'aime bien juste capturer les Pokémon, tu vois. La meuf chiante. Qui est bien les trucs relous dans les jeux. Allez, hop. Il est où le Abra? Là-bas. Oh le connard. Chirachou! Ouais! Mais. Je comprends pas, je jette vraiment. Salut Lizzie, comment ça va? Un petit rondoudou! Oh! Rondoudou! On va lui donner à manger des baies frambies. Je l'aime bien. Ah, il est amoureux. J'ai jeté de là-bas. Pourquoi ça le jette de l'autre côté? Ah! Ouais, rondoudou. Abra avec Abra. Ah non, ouais, non. Arbok, là, il est dégueu, lui. Ouais, rondoudou. Ouais. Level 11. Ah, c'est pas beaucoup. Onyx, il a pas up. T'aimes pas trop, non? J'ai l'impression qu'il aime pas trop. Trop mimes le rondoudou. Je veux lui aussi. Je les veux tous. Le meuf qui est vraiment psycho des rondoudous. La faute à qui? La faute à Chirachou. Oh, si je l'ai là. Après, j'achète des Pokéballs, je pense. Oh, c'est magnifique. Ça, ça va XP. Mélo fait, c'est trop drôle. Non, trop mimi. Oh, les trois, ils montent. Let's go, trop bien. Faut pas s'endormir devant un rondoudou. Ah bah ça. Une armée de rondoudous, je vote pour. Je vais avoir que des rondoudous. Taiko, tu mériterais d'être banni pour avoir dit ça. Mais vu que... Oh, il est là. Putain, mais l'enfoiré, il est encore parti. Oh non, pas vous. Y'a quoi là-bas? J'aimerais bien voir le Abra, mais est-ce que je peux l'avoir au moins? Est-ce qu'il va pas s'enfuir tout le temps? Encore un Goupix, on l'a déjà. Abra, il est trop chiant. Faut genre y aller doucement. Y'a plein de Goupix. Safrania. Mais non, on le fait lui. Comme ça, il nous fait plus chier.
Je crois pas, Hugoline. Yonix, ça va de poser ce genre de questions? C'est de ta famille? Pourquoi tu me demandes ça? Je comprends pas le contexte de la question. J'avais même pas vu carrément. Pourquoi de ma famille? Non, carrément pas. Pourquoi tu me poses cette question? Moi c'est ma sœur. C'est sûr qu'elle s'appelle plus du tout comme ça. J'avais pas vu, j'avais carrément pas vu. Le message était grave passé et je l'avais pas du tout vu, tu vois. Ah, c'est les Pokémon Let's Go. Non mais il y a aucun rapport, je comprends pas. Ah putain. Eh ouais, grave. Le Game Locker 2014, c'est clair. C'est de ta famille. Encore, tu vois, quand on me demande est-ce que c'est toi, parce qu'on peut confondre. Mais c'est de ta famille. C'est super drôle. Oui, ça la mèche. Waouh. Oh, il est vraiment pas beau, Reptincelle. Hein. C'est vraiment un Pokémon que je trouve moche. Hein. C'est vraiment un Pokémon que je trouve moche. Pourquoi cette question, Unix? Moi, je veux la réponse, hein. Mais vous savez qu'à l'époque là, en plus, moi je la regardais pas du tout. Des JS cette époque-ci. Oh, il y a un grand Renoudou, on va le capturer. Parce que j'adore Renoudou. Salut Matrix! Mais je. Je comprends pas comment c'est envoyé. C'est une blague. Même confondre, pas du tout, quoi. Vous avez pas le même terme de voix. Bah après, en vrai, confondre, tu peux, tu vois. Ça fait tellement longtemps, tu redébarques, tu te dis, ah ouais, elle a un rapport avec Animal Crossing. Enfin, c'est quelqu'un qui débarque de YouTube, tu vois, je sais pas, tu vois. Vas-y, ah, peut-être que, mais non. Et non, et non. Ah, c'est un psycho quoi, putain, mais je le veux, le ratata. Le, pas le ratata, le abra. Hein. Ah, mais je voulais pas le reprendre, mais on va reprendre un rondoudou. Allez! Allez, petit rondoudou. TTS pour jouer à Tomodachi. C'est vrai que Tomodachi, elle est pas quoi. Oh l'argent. Y'a Goopix. Mais Goopix, j'en ai déjà deux. Bon, rondoudou, j'en ai beaucoup aussi, mais tu me diras. Pourquoi pas. Une élevage intensif de rondoudou, ton histoire. Un peu. TTS. Après, je vous ai pas forcé, hein. Tu vois, genre, on vous force pas, hein. Vous avez avancé, hein. C'est vous qui avez décidé d'acheter avec votre argent. Allez, Abra, là, je le veux. Je partirai pas sans avoir un Abra. Je peux pas, on est d'accord, je peux pas aller là. Non. Il y a un quota de spawn de Pokémon. On va rattraper un Goopix, tiens, tout à faire. Je sais, Lilia, je sais. Cinéa. Alors, ça me dit un truc comme ça me dit rien du tout. Cinéa, salut Floénat. Utilise le parfum. J'ai pas le parfum, je vais donner une Beframbi. BBTM. Ah, BBTM. Si, ça me dit un truc, ça. Ah, si, Bibi. Il est pas modo chez Pomme Vanille, Bibi. Il y a moyen que si. Super, c'est la copine de Bibi. Ah, d'accord. Bon, c'est à l'époque, non? Ils sont toujours ensemble? Ah, c'est vrai que BBTM, ça me dit un truc à l'époque. Dans ton sac. Là, j'ai rien dans mon sac. Tu veux dire hors combat? Après, c'est encore ensemble. Oh, trop bien, ouais. Si Cohen, elle m'a forcé à acheter une Switch, espèce de nez de vache, tu vas avoir une correction. Et arrête un peu, Shirazu. Les gens, ils vont croire après. Je précise que c'est pas vrai. C'est faux. C'est pas vrai. Je crois qu'elle m'a donné envie de jouer. Moi, Tomodachi, je crois que j'ai vraiment envie de l'acheter.
Solo. Je crois que personne m'a influencé sur Tomodachi. C'est vrai qu'à l'époque, on a archi influencé tout le monde. Hein. C'est dans quoi? Bonbonnière? Non. Non. Poche de capture? Non. Poche de combat? Non. Poche de renfort? Non. Boîte CT? Non. Touche de soin? Non. C'est dans quoi? Ah, il est là, je suis vraiment aveugle. Utiliser. Ah. C'est Peaceful! Qui a comme cassé? Comment ça va? Qui a comme cassé? Mais ça date ça! Mais c'est pas ça que je veux faire. Je me suis laissée déconcentrer. Ça, c'est le Pokémon Let's Go Evoli. Qui est sorti il y a quand même un moment maintenant. Mais je l'avais jamais fait. Et on avait parlé justement la dernière fois en stream. Oh putain! Bonjour. On avait parlé en stream en fait la dernière fois des Pokémon. Et je disais que j'avais pas aimé ce que j'avais fait Arceus. Et j'avais fait Violet. Et je disais justement que j'avais pas du tout aimé le design, que j'étais déçue, etc. Et le chat m'a conseillé, m'a dit « Mais pourquoi t'as pas fait Let's Go Evoli ? » Parce que c'est vraiment absolument pas du tout le même délire en fait. Et il est vraiment bien. Et du coup, ils m'ont donné envie de le tester. Du coup, bah aujourd'hui, je le teste. Bah c'est le deuxième stream qu'on fait dessus. Par contre, toi, tu vas rentrer dans la Pokéball. En fait, j'ai plus de... Eh non. On a plus. Mais qu'est-ce que je lance là-bas ? C'est trop, faut arrêter. Ah ouais? Je l'ai recommencé 3 fois. Bon, tu fais bien, en vrai, il est bien. Il est bien, en vrai, franchement, il est vraiment cool, je trouve. Ouh, ça stonks là. L'abus de visage est présent. De fou. Le nom de Pokéball gaspillé. Non, mais je vous jure, c'est aberrant, hein. Beaucoup de critiques sur le Pokémon sur Switch. Tu as de meilleurs avis sur Pokémon Let's Go Evoli ? Pourquoi tu n'as pas aimé ce Pokémon ? Alors, en vrai, je trouve que vraiment, esthétiquement, en tout cas moi, c'est Pokémon Let's Go Evoli, c'est littéralement ce que j'attends d'un Pokémon. Esthétiquement parlant, graphiquement. Et j'ai été en fait juste hyper déçue des autres parce que je les ai trouvés moches. Moches, buggés. C'est bien beau d'avoir un grand monde ouvert, tu vois, mais... j'ai trouvé ça archi dommage en fait que bah le monde soit moche quoi. Un monde ouvert de base, enfin semi-ouvert, hein, c'est pas ouvert, mais un monde semi-ouvert, c'est censé être joli, t'es censé kiffer et tout. Et franchement, Arceus et Violet, c'est pas du tout le cas quoi. J'ai pas du tout ressenti ça. Alors que celui-ci, franchement, j'adore. Les designs sont cool. Bon, après, c'est un Pokémon classique, encore non, pas vraiment classique parce que t'as un. C'est différent, enfin le Abra. C'est différent au niveau de la capture des Pokémon. Parce que là, tu vois, je combats pas. En fait, j'essaie de les capturer. Ça, je trouve ça sympa. Et encore, il va m'échapper, je suis sûre. Il y a plein de trucs, en fait, pour lesquels je suis plus heureuse de ce Pokémon-là que l'autre, en fait. Enfin, que les autres que j'ai testés. Ok, j'ai. Épée bouclier, les graphismes. Bah, Pokémon épée bouclier, j'ai pas testé. Donc, je pourrais pas donner mon avis. Mais les graphismes ont l'air aussi sympas, en vrai. Ça avait l'air cool, en tout cas, à la télé, quand ça passait. Putain, mais je suis vraiment nulle pour viser. Hein. J'arrive pas. Je vise là-bas, ça me vise l'autre côté. Non, franchement, c'est aberrant. Espérant que ça se capture, quand même. En espérant que ça se capture. Ok, Abra, parfait. C'est celui que je cherchais. Des heures de spawn, comme dans Asanash ou pas aucune idée, je t'avoue, Goline. J'en sais absolument rien. La DA de Let's Go est la meilleure et restera la meilleure. Franchement, honnêtement, moi, c'est vraiment ce que j'attends d'un Pokémon, graphiquement parlant. C'est exactement ça. Là, c'est Poudre Dodo, c'est vachement plus chiant que Parasport, en vrai. La forêt de champignons dans Sword est chaîne incroyable. Je connais pas du tout. Je saurais pas à dire. Un jour, peut-être, on se fera Pokémon bouclier, hein, mais... à voir, hein. A voir, à voir. Pour l'instant, on essaye déjà de capturer tous les Pokémon des zones. On essaye. On a eu un roucarnage, un petit roucarnage. Roucarnage, c'est pas roucarnage. C'est... comment il s'appelle? Je suis con ou quoi? Ah mais c'est là, en fait, où je peux pas passer. Ah. Ok, bon. Roucoups, merci. Je suis perdue. Merci, Aimé, pour le follow.
Bienvenue. Oh cool, c'est ça, mais je sais pas pourquoi j'ai bugué. Il y en a plein en plus, MDR. Je pensais qu'il était rare et tout, mais pas du tout. Il y en a plein. Je me suis fait avoir. Oh, ils m'ont pas attaqué ? Ils m'ont pas attaqué ? Oh, un petit carapuce de la dernière fois. Pupus ! Merci, Pistole, pour le avoir. Il y a encore un rond doudou. Et par contre, on va pas abuser non plus. On va pas abuser. Au moins, 60 Pokémon. Ok, on va aller soigner. Et salut Kassou, merci pour ton follow. Carmin sur mer, c'est trop joli comme nom, je trouve. On peut jouer en ligne? Je ne sais pas. Je pense qu'on peut se faire des combats en ligne, ouais, je suppose. Après, je sais pas du tout sur celui-ci, j'ai pas encore découvert ça en tout cas. Je sais pas si c'est écrit. Ah, tu peux jouer avec Pokémon Go. Ouais. Pokémon médecin, je l'adore, le Vinari est trop mignon. Oui, en échange, j'ai combat. OMG, viens, on fait un combat. Ah non, tu vas me défoncer. Ok, alors. Est-ce que je suis loin? Alors, venez, on va acheter des Pokéballs. Je suis loin d'avoir 60 Pokémon, je crois, en tout cas. J'ai cette impression. Je désire acheter, monsieur. Pitié, quoi. Donnez-moi-en. On va prendre 60. Ça sera déjà pas mal. Oh, des Honor Ball. Super, je te remercie, monsieur. Ok. Je suis dans la même ville, on a commencé en même temps. Non, j'ai pas envie de faire de combat. J'aime pas les combats, moi. J'aime pas les combats. J'aime trop le fait que les noms de la première gen soient les nuances de couleur de fonction des toits des maisons. Mais putain, j'avais même pas capté. Ça, c'est un gentleman. C'est quoi? Ah, c'est l'espèce de maison en mode TV Pokémon là. Ah non, pas eux, je me casse. Je déteste ce truc. Ok, donc on est à Carmin-sur-Mer. Magikarp. Alors, je peux pas passer par là. L'arène, c'est quoi là? L'arène Carmin-sur-Mer est juste ici. Si tu veux attendre l'entrée, il faudra trancher le tronc de Serapistompion. Ok. Oh non, Peaceful! 2h30! Oh là là, c'est long. Tu pars en voyage? Alors j'ai pas lu ce qu'il m'a dit. J'espère que vous avez lu parce que moi j'ai pas lu. C'est vraiment trop mimes par contre. C'est trop mimi. Major Bob, non? Électrique. Ah ouais. Oh merde. Faire dans le Coldplay. Oh trop bien. Ouais, donc l'attente vaut le coup quoi. L'attente vaut le coup. C'est demain du coup que tu les vois? Trop bien ça par contre. Oi oi oi. Petite art. Eh bah écoute, ça va partir sur un truc électrique. Il est adorable ce Pokémon, je l'adore. Un fauteuil de cabinet dentaire. Attends, regarde. Sur un fauteuil de cabinet dentaire à cette heure-ci. Ça c'est étonnant. Oh là! Oh bah au revoir. Demain soir, t'as trop bien. Ah, ça a l'air trop bien Coldplay en concert. J'espère que tu vas grave kiffer. Pikachu level 15. Il monte... Cage éclair, vas-y, fais voir. Vas-y, on enlève ça. C'est déjà électrique, je trouve ça étonnant en fait. C'est étonnant, mais ok. Et contre combat, vous m'avez dit que c'était quoi qui était fort? C'est vent, enfin c'est... Je suis con ou quoi? C'est vol. J'ai l'impression d'être con des fois. Chanteur... Ah, je connais pas. Je connais pas du tout. J'irai voir.
Ça m'intéresse. Oula, il me poincarate la tronche là. Tornade. Fou. Oh, pas mal. Poincaraté. Boum boum. Ouais, c'est le cavité de ma mère. Et ils font une fête. Ah, ok, je me disais, Lilia. Je me disais que ça devait être un truc de famille en mode genre parent qui est bloqué là-bas ou quoi. De Rihanna. Ok. Mais tu sais quoi, j'irai voir. En juin, c'est dans tellement longtemps. Et tu les vois où, Pissoul, si c'est pas indiscret? Ah, c'est trop cool, on aurait Coldplay, quoi. Aïe, 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 c'est trop bien. Oh, oh, je le déteste, lui. C'est bien un Pokémon qui m'effraie le plus, c'est lui. Ah, oh, il est horrible, Monsieur Mime. Il me dégoûte, genre. Ah, LA, oh my god. Trop bien. C'est la classe, ça, quand même, hein. Ah non, attendez, je peux prendre... Super Bowl, il me dégoûte Pokémon. Oh, génial. J'avais fail et... Parfait. C'est ça que j'ai hâte, ça c'est clair. T'as un LA. C'est la classe quand même, hein. Donc là tu vas faire... Tu pars de France, Peaceful. C'est stylé en vrai. C'est stylé. Mais stop en fait. Donne-moi les billets et on raquette pas les gens du chat s'il vous plaît. On raquette personne en fait. Aux US maintenant, d'accord, ok. J'aurais pas dépensé un pari aller, c'est ce que je me demandais, je me disais ça fait quand même un peu loin. Ok, mais c'est trop bien, trop bien ça aux US. Il est 13h40, ah ok, ça va alors. Oh là là, on a des abonnés qui viennent de des USA en fait, c'est incroyable. Tu fais des études là-bas ou tu y habites? Oh putain, il prend la fuite, fait chier. Lizou aussi elle est aux US, c'est trop marrant. Oh là là, les grands esprits se rencontrent là, j'ai l'impression dans le chat. RPZ les USA. C'est clair. Oh my god, c'est génial. Ça trop bien. C'est prolifique, lui il me dégoûte aussi. Oh, excellent. Il y a trop d'American. Oh, je l'ai eu. Incroyable. Je suis au pair. Genre fille au pair. C'est bien en vrai ça. J'y retourne, non, non. Un big papillon mort derrière mon PC. Ah. You. Vraiment, je peux pas me le voir, il est horrible. Monsieur Mimi, il est effrayant, vous avez vu, là, il faisait la taille de mon perso, genre. Oh, il y a un ratatac, attendez, faut que je me le fasse. Viens là, je t'ai pas. Et un boulot. Bon, en vrai, franchement, c'est clean, hein. Tu bosses un peu pour la famille. Tu gardes les gosses, tout ça. Puis au final, t'es logé, nourri. Tu visites. Enfin, franchement, c'est cool en vrai. Ça te permet de visiter, enfin, entre guillemets, visiter une autre culture. Franchement, c'est sympa. D'arrêter de rien faire parce que. Allez, je vais remettre au travail. La flemme un peu, je comprends. Ouais, si au père, ma première année, horrible. Deuxième année, ça va mieux. Ah, tant mieux alors. Ouais, c'est vrai que ça doit être compliqué quand tu te retrouves loin de chez toi dans une famille où ça va pas, quoi. C'est sûr que ça doit être un petit peu. Un petit peu l'angoisse, hein, si je peux me permettre. Météore, on s'en fout ou pas? Je garde météore ou morsure? Salut, c'est Sushi, comment ça va? Je jure, c'est pas ouf comme job. Bah, en vrai, c'est... Tu découvres quand même. Après, ça dépend quand tu tombes dans une famille horrible, quoi. Là, c'est sûr que c'est compliqué. Faut aimer les chiens, déjà, hein, c'est sûr. Garde morsure, ouais, météore, c'est un peu osef. Allez, bon, c'est qu'on le dégage. Ouais, si tu gères des gosses et tout... Ouais. sauf quand tu tombes sur une mauvaise famille, ça arrive trop souvent. Ouais, c'est sûr que... Faut avoir de la chance, quoi. Faut avoir de la chance. Ratatak me dégoûte aussi, c'est un Pokémon qui me dégoûte. Y'a pas à avoir des Pokémon aussi dégueux. Ok. C'est un gueulard celui-là. Il fait que crier, là. Allez, récupère. Flacon de parfum. Les gosses, c'est ça, tu peux pas leur faire à manger comme ici, tellement ils sont fourquettes. Ah, leur voilà, on va essayer de leur faire. Les familles, c'est que des blindés, l'éducation des gosses. Horrible, les darons, ils te prennent. Car tu es moins cher que le premier de nous, la paye, des gros radins. Ah ouais, à ce point. Oh, purée.
Ouais, c'est vrai qu'en général, quand t'es fille au père, c'est pas pour une famille qui est un petit peu en difficulté financière, quoi. Souvent pour des gens qui sont bien niveau thune et question financière pour payer mon cher. À quoi tu joues, mon ref, là, par contre? Tu vas te calmer tout de suite, je te le dis. Ok, moi, je suis vraiment con. Ah! Je le hais. Putain, au moment où je le lance bien, il se casse. Vous avez vu comment il sautille, là? T'as que des ratatas, ouais. Ah, super, je l'ai eu. Super, super. Ma deuxième famille, adorable. Mais la plupart du temps, mes potes, elles ont hâte de partir. Ah ouais, carrément, purée. Bah, c'est dommage, en vrai, de partir. Tu te dis, ça va être une super expérience. Et au final, t'es là, tu... T'es saoulé, quoi. Grincement, on va pas apprendre grincement. C'est quoi, cette attaque de merde? Aïe, aïe, aïe. Ah! Wait, Shadow, I will translate you. Alors. Hop. Putain, ça va pas copier, fait chier. Translate time! Yeah! Alors, je dois parler allemand. Ok. Ok, et si je fais... Gehen Sie und drücken Sie sich auf Deutsch aus, wenn Sie möchten. Et si on parle allemand? Je lui ai dit, vas-y, parle allemand si tu veux. J'espère que c'est pas mal traduit. T'imagines, c'est à l'insulte en mode, ouais, t'es vraiment un gros connard. C'est la traduction qui est vraiment néfaste en fait. Oh monsieur, vous me faites un peu peur. Ah! Ça va, tout va bien. Très belle prononciation, merci. C'est moi qui ai parlé. C'est moi qui parle, je parle super bien. Il y a un truc là, il y a un petit caillou. Forcément un truc, voilà. Vraiment le pauvre si c'est ça, non, je pense pas. Extrême-toi d'allemand si tu veux. J'espère que ça va bien traduit, t'imagines, ça a traduit comme de la merde. Après franchement ça m'étonnerait vraiment pas quoi. On parle de Google Traduction. Oh Super Bowl. Aucun mot en allemand, moi non plus. Alors. Faut que je copie-colle. J'adore discuter avec Shadow. Il dit... je dois vous le dire, je pense que le français est une langue vraiment difficile. Ah! Yes, Shadow, yes. Attendez, j'essaie de... Putain, c'est long, hein. Je dis, l'allemand n'est pas une langue facile non plus. Et je ne t'aide pas non plus à comprendre ce qu'on apprend à l'école en français. Car ce qu'on apprend à l'école en français dans les pays étrangers ne s'utilise presque pas comme ça en France. Le langage évolue vite et on parle de manière très familière en France. Attendez. Auch Deutsch ist keine leichte Sprache. Und ich helfe Ihnen auch nicht beim Verstehen. Denn das, was wir in der Schule im Ausland auf Französisch lernen, wird in Frankreich so gut wie nicht verwendet. Die Sprache entwickelt sich schnell und wir sprechen auf eine sehr vertraute Artikel. In Frankreich. Voilà, magnifique. Je sais pas du tout si ça a bien traduit. Hein.
Zu jeder Zeit bedeutet die Übersetzung nichts. LOL. LOL. C'est un petit comment il dit LOL. Ok, thanks. Ah, le Ramolos. LOL. Très belle traduction, merci, merci. Allez, Evo Dynamo. LOL, ça fait rire. Salut Oulok, comment ça va? Je t'avais pas dit bonjour. Ah, il est pas mort encore, je pensais qu'il était mort. C'est horrible, on tue des Pokémon, genre. Je pensais qu'il était mort. J'étais éduqué en néerlandais et j'ai suivi l'école en français. J'ai eu quelques difficultés sur certains trucs en français, surtout pour la lecture, genre Zola et tout. Ah ouais, bah c'est clair. Mais en fait, t'apprends tellement de... Genre, en fait, en France, t'apprends vraiment, tu sais, à bien parler, genre en mode... Genre, tu sais, les... par exemple, je veux. Nous, on dit je veux. Donc, va comprendre la... Que tu captes deux mots en même temps que je veux, ça veut dire je veux, surtout quand on parle nous, entre nous, tu vois. Même les tu vois, c'est des expressions que les étrangers vont pas comprendre dans nos phrases. Parce que bah nous, on comprend en France, mais c'est des tics de langage, et les tics de langage, tu les apprends pas. Donc c'est trop complexe. Avec 3 déos d'avance. Ah, comment ça, y'a pas de déo? Y'a pas de déo? Si, mais c'est cher. Ah ouais? Celui-là, c'est pareil. L'anglais, pas mieux français que nous. Ouais, je te jure. 8$ le déo. Arrête. Aussi cher. Ma vache. Mais en fait, là, je sais pas si je dois aller là-bas. Oh merde, il m'a vu. Ça, t'es les Alsaciens, les Nordistes qui arrivent avec leur clanche ou leur caillole. Je comprends rien. C'est les USA, pas trop. Non, mais c'est cher. 8$ le déo. Oui, ici on paye quoi? On paye pas si cher en vrai. Ouais. J'ai suivi une ronde en deuxième langue, mais je trouve ça pas utile. Ah ouais, ok. C'est les clanches en paix. Pokéball vivante, ouais. Voltorb, il est... J'aime pas ce Pokémon. J'aime pas trop Voltorb, je vous cache pas. Je n'aime pas trop. Allez. Je trouve ça très dérangeant de jouer avec une seule manette. Par contre, sur ce jeu-là, en fait, ça me perturbe de fou. Je me sens genre, j'ai l'impression d'être... J'ai envie de tenir la manette comme ça, tellement ça me stresse. Il y a fois la France me manque pour ça, la bouffe du Nord surtout. Oh putain, c'est clair. Au niveau de la bouffe, c'est grave différent aussi, non? Oh monsieur, partez. Oh, mais je vais tout me taper la dame. Allez, c'est parti. C'est vrai que par contre, au niveau bouffe et tout, grosso modo, qui dit ça? Bah, beaucoup de gens disent ça, grosso modo. Moi, je dis grosso modo. Enfin, je dis c'est une bonne... Rondoudou, j'ai pas envie de le taper là, le pauvre. Grosso merdo aussi. Muqueuse. T'écris mal en plus. Même s'il revient, il se fait attaquer. Grosso merdo. Mais non, il dort. Bah, il va brûler de toute façon. Désolé, mais tu vas mourir de brûlure. Mon prof de français dit ça. Arrête, c'est vrai. Rien que des céréales, les gâteaux, certains alcools, juste même rentrer dans un Auchan. Ouais, c'est clair. Oh la vache, c'est vrai que la France, mine de rien, niveau bouffe, c'est quelque chose que d'autres pays n'ont pas. Hein. Je trouve ça tellement dommage que dans ce jeu, évoluer ne peut pas évoluer. Ouais, c'est vrai que c'est dommage en vrai. Ah mais il dort, mon Pokémon, j'aurais dû changer. C'est vrai que j'aurais bien aimé aussi qu'il change, genre tu le faire évoluer, je sais pas, genre un truc cool quoi. Là, bon. Un petit réveil. C'est pour la gastronomie, ouais, grave. C'est vrai, bon après c'est autre chose, hein.
Mais c'est vrai qu'apparemment, je sais pas si Lizou et Pisco pouvaient confirmer, mais là-bas, genre, tout est en mode en boîte, tout est en fait hyper transformé par rapport à la France, où déjà c'était déjà transformé au niveau de beaucoup de choses, mais là apparemment c'est vraiment pire quoi. Genre t'as pas de fromage, tout ce qui est viande et tout c'est en conserve, enfin tous les trucs comme ça, genre limite rien n'est frais quoi. Ça fait peur en vrai un peu. J'ai loupé l'occasion de faire une évolution type normal. Ouais, grave. 40% des céréales des US sont interdites en Europe car trop sucrées et trop... Oh putain, c'est vrai à ce point-là. Ah, c'est vrai Hugo, t'as tout fini d'un coup. Moi j'essaye de dispatcher un peu plus, sinon je le finirai aussi rapidement, je pense. Moi j'ai les vins français quand même. Ah ouais, j'avoue les vins français. Et t'arrives à en trouver quand même. Et des bons trucs ou c'est ok mais pas... Beaucoup de fromages sont interdits aux US, je trouve ça absurde. C'est nul. Nul. Souvent au resto de l'université, je sais pas trop dire. Et ça va en vrai niveau resto université. Par contre le sucre, ouais, j'en peux plus. Bah, je suis pas très sucrée, là, ça aide pas. Ah putain, ouais. Ah, c'est clair que ça a l'air un peu... Oh non, est-ce que je sais où je suis. Ok. Le ronflex. Ta petite équipe. Alors, mon équipe, j'ai Evoli, Onyx, Herbizarre, Pikachu, Papillusion et Reptincel pour l'instant. Je suis plus jeune que Axo et Feno. Bah ouais. Non, Axo elle est de mon année, je crois. Feno, c'est de 2003. T'as écouté un bébé à côté, hein. Ah ouais, hein. Mais c'est ça aussi de vivre. Hein. Salut Oxagi, comment ça va? Tu vas bien? Qu'est-ce qu'il me veut lui? Oh, j'ai la flemme. J'en ai marre qu'il me demande tout le temps. Et je peux aller là? Faut que j'aille là, je crois. Ça va bien, merci, ça va plutôt bien. C'est pas dans cette grotte là où faut que j'ai un truc pour voir? J'aime bien le fait que les Pokémon ils sortent et qu'on les voit. Ah, tout piqueur, on creusait partout. Ah, ok, c'est vrai. En fait, faut que je me rappelle comment c'est le premier jeu. Ouais, tout piqueur. Faut que tu prennes le bateau. Ouais, ouais, ouais. Mais je découvre un peu quand même, j'essaie de voir pour rien louper, tu vois. Oh, genre, j'ai pas fait un super ou un truc comme ça. 25 ans minimum. Ah, non, non, Taiko, il est jeune de ouf. C'est un bébé. C'est un bébé. Ouais, j'ai joué à Pokémon Violet Hugo. Par rapport à celui-là, je le trouve grave nul, genre. Celui-là, je le trouve vraiment bien. Il est très sympa. Il me rappelle de bons souvenirs et tout. Pokémon Violet, franchement... Enfin, grave nul. En vrai, non, il était pas nul. Je peux pas dire qu'il était nul. Mais je l'ai trouvé... En fait, j'ai pas aimé les graphismes, j'ai pas aimé le design, j'ai pas aimé le mode de jeu. J'ai pas aimé en fait la globalité du jeu, tu vois. C'était sympa, mais vraiment sans plus, quoi. C'est où le bateau? Surtout. Ah, c'est ça. Pas ce bateau, let's go. Non, je suis pas bloqué. Tenue de marin. Oh, let's go. Mal à costume. Je vais mettre ma tenue de marin. Choisir votre tenue. Oh. Oh, marin. Oh non, c'est mignon. Chapeau, dis-moi que j'ai un chapeau de marin. Oh, c'est adorable. J'adore. Et le pantalon, je peux changer aussi. Non, mais trop mimes, quoi. Chaussures. J'adore. Sac. Sac marin. Je trouve ça trop mignon. Passer à Evoli. Chapeau. Casquette marin. Il est trop mignon. J'adore. Vêtements. T-shirt marin. Non mais adorable. J'adore. Voilà. On est super mimes. On est trop mignon. On est trop mimi. «
Celui-là, il est cool avec la nostalgie, mais violet, c'est un peu la nouveauté. Avec le... Ouais, c'est ça. En fait, le seul truc bien, c'est que c'était ouvert, ça c'était sympa. Mais en fait, ils ont voulu trop refaire comme Pokémon Arceus, quoi. Ils ont bâclé, je trouve, les designs, les graphismes. Enfin, vraiment, je. J'ai vraiment du mal. Je retrouve dans le bateau qui porte mon prénom, quoi. J'ai des enfants dans ma tête, un Axo, oh my god. Un bout. T'as pas froid aux yeux? Ouais. Lui il m'énerve déjà. Sa coupe de cheveux là, sa crête comme ça. Qui fait des crêtes sur le côté qui font comme ça. Nous on va explorer toutes les salles. Et récupérer. Oh bonjour madame. Je fouille les poubelles. Je peux pas. Je peux pas faire les poubelles des gens. Elles sont trop belles les pièces, mais c'est trop trop beau. Ouais le bateau il s'appelle l'Océane. Oh my god. Il est énorme. Y'a rien dans la poubelle. Moi je fouille les poubelles. Il a une scie circulaire comme cheveux. De fou. Y'a vraiment des claviers console sympa. Ah oui purée. Ah, c'est des dresseurs. Oh, jure. Aïe, aïe, aïe. Ouais, non, moi, j'avais commencé avec Platine. Enfin, non. En fait, moi, j'ai commencé Pokémon avec Pokémon Rangers et Pokémon Donjon Mystère. Et après, j'ai eu Platine, je crois. Allez, brûle-le, là. Ah, j'aurais dû faire électrique. Arceus. Ouais mais l'anime ils disent non. Non let's go. On a trouvé deux copines là, c'est marrant. Vous habitez loin ou pas Lizzo et Peaceful? Xiaofuin, je vois pas c'est qui Xiaofuin. Je vois pas qui c'est. Mon Pokémon préféré, j'en ai trois en vrai. Je dirais dans l'ordre Milobelus, Feuforev et Goopix. Que j'aime beaucoup. Ouais, ça se dit Roucou normalement. Mais nous on le dit Roucoups. J'ai deux pierres. Hop. Roucoups. Aya, vas-y, tue-le là. C'est tout? C'est nul à chier comme attaque. Ouais, ça se dit Roucou. En fait, Roucou, parce qu'il donne plusieurs coups, le créateur des noms, il s'était exprimé. J'ai vu ça sur TikTok. Où il disait, mais en fait. Genre, c'est Roucou avec un S à coup. Et les Français, ils ont dit Roucoups. Voilà. Oh, attends, là, faut arrêter de faire des gros plans comme ça, par contre. Bah vas-y on envoie étincelle. DSL. Oh non lolo. Non ça, c'est pas 4G. Xiaofuin ça me dit rien. Il est top 5, il est beau Milobelus hein. Il est trop beau je trouve comme Pokémon. Ou Marest, Maresté. Ouais. Normalement parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les accents de traducteur, du coup. C'est lui de remettre l'accent, c'est ça. Salut Maxime, comment ça va? Je vais faire griffe. Ouais, bon écoutez. Ça fait mal ça? Non, ça va. Roucou, ouais, Roucou ça sonne moins bien que Roucoups. Roucou c'est trop. Il y a trop de lettres pour juste deux syllabes. C'est une heure à l'ouest et. Donc, un peu... Ah oui, d'accord, ok. Ouais, un petit peu loin, j'avoue que bon. Salut Pinky, ça va et toi? En effet, quoi. C'est pas la porte à côté, si je puis dire. Ça fait nu, ouais, ça fait un peu nu. Vas-y, laisse-moi aller prendre un Pokéball. Il y a deux dresseurs qui sont là en train de se mettre sur le chemin de la chambre de la dame. Je suis un puriste. Moi, je dis beaucoup. Oh putain. On l'a perdu. Ouh, le féro-singe. Il est trop mignon, mais je suis désolée, il est adorable dans sa tenue là. Ouh là là, par contre, faut arrêter de faire des mouvements comme ça à la caméra.
Mais dans le même pays, en effet. J'arrive, c'est Pokémon ma vie. Ah, let's go. Ça arrive au bon moment alors. Ok, tellement élégant. Attends, je vais aller regarder Xiaofuin. Ça me dit rien du tout le nom. Xiaofuin. Ah ouais, c'est vrai qu'elle est belle. Ah si, mais du coup, je connais ce Pokémon. Est-ce que vous pensez qu'il me tue? Ah, j'ai peur. Il est joli, hein, franchement, il est très très beau. Et en shiny, il est rose. Il est trop joli, j'avoue. Il est élégant de ouf, t'as raison. T'as grave raison. J'adore. Ils disent le canon alors que c'est une fille. Parce qu'on dit pas une canonne, on dit un canon. Tout ça pour un antipara, sérieux. La honte. Bon allez, on va soigner. Sac. J'aimerais bien me moucher, attendez. Ok, alors trousse de soins. On va lui donner une super potion, je pense. Utiliser. Hop. Ça, à quoi le sablé? Ça, c'est quoi? Soigne des altérations de statut. Ok, bon, on s'en fout. Lison Pire Boss. Ah, j'ai pas les greffes. Vous parlez entre vrais pro joueurs de Pokémon, c'est assez marrant parce que je connais rien. Bonjour monsieur, chez votre poubelle, y a rien. Super. Ok, allez, on va avancer. On va aller regarder un petit peu. J'ai pas la ref, Marvin. Vous avez l'air tous d'avoir la ref, puis t'as moi. Les Sims 5, ouais, j'ai vu. Il est content hein, de faire du bateau. J'ai vu que, ouais, bah du coup, c'est le projet René, le fameux. Ah. Putain, jure. J'attends en vrai. J'attends et une fois que c'est sorti, je me mettrai dessus. En fait, ce que j'expliquais, c'est que les Sims 4, je pense que j'ai un peu de mal à me mettre dessus parce que... Bah, au niveau de tout ce qui est mécanique et tout du jeu, tous les packs et tout, il y a tellement de trucs qui sont sortis en fait que j'ai du mal à réaliser en fait tout ce qui est ajouté au jeu. À chaque pack, ils rajoutent des trucs, j'ai pas le temps de tester, je comprends pas comment... Tu vois, et alors que là, les Sims 5, on va vraiment prendre du début et ajouter au fur et à mesure. Donc, je vais bien pouvoir connaître le jeu, comprendre le jeu avant de pouvoir être perdu, quoi. Les Sims 4, c'est cher aussi, les packs, j'avoue que c'est pas donné. Paralysé, ça c'est beau. Tresseur égale octogone, je vous jure. Au secours. C'est vide de Pokémon XY. Ah, d'accord. C'est marrant. J'arrive pas à le dire, j'ai pas de mal le dire. Yann 13 ? Yann 13? Je sais pas comment on le dit. Check de ça, on dirait que c'est un. Ah, tu me parles de trucs, je sais pas de quoi tu me parles. Xiaofuin, oh j'ai repou. Sans masque. Alors attends, parce que là j'ai pas. Oh, j'ai repou. Tu me dis sans masque. Ah, il est joli, ouais. Ah, c'est vrai qu'avec le masque, il est un peu moche. Il est mignon sans le masque. C'est un Pokémon légendaire, non? Et le Mega Gallum. Il claque. Stylé. C'est à nouveau des DLC, d'accord. Ok. Inspiré de Saint-Malo, et du coup, ça met, je pense que c'est vrai, petit jeu dans le monde. Ah, trop mime, ça. Grave drôle. Machoc. Vas-y, on continue. Owen, pour moi, c'est la meilleure région. Je sais jamais, Owen, c'est quelle région. Je suis vraiment... Pokémon, j'adore, hein, mais... Tout ce qui est... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais tout ce qui est genre histoire de Pokémon et tout, bah... J'arrive pas à suivre, il y en a beaucoup trop. J'ai loupé trop de trucs, du coup, je me sens perdue. Mimiki, vous le trouvez qui fait peur? Mimiki... Ah, c'est le petit, là. Oh, j'hésite entre oui et non. Parce qu'en vrai, il est...
Il est mignon et à la fois il est un peu creepy, tu vois. Ouais, c'est la 3G. Ok. Ouais, bisous Axou, bisous. D'ailleurs, ouais, c'est vrai qu'il est 22h, on va peut-être pas tarder à s'arrêter là. Faut que je mange, je vais m'arrêter, je pense, parce que plus j'avance, plus. Ok, on fait ça et après j'arrête. Trop mimes. Oh, j'aurais bien aimé prendre une photo. Il a l'air absolument ravi. Ah, oh, je vais prendre une petite photo. Ok, bah écoutez, je propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. On va sauvegarder quand même. Bisous, 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 bisous. Merci d'être passé, en tout cas, faire un petit coucou et merci pour les discussions, c'était trop cool. Bisous, bisous, de toute façon, je m'arrête là pour aujourd'hui. Allez. C'était trop cool, le petit Pokémon, là, franchement, il est vraiment cool. J'ai hâte d'avancer un peu plus, mais en même temps, on parle et tout, donc ça met un peu plus de temps que prévu à chaque fois, mais bon. Je vais aller voir qui stream. XY en live, je pense pas, parce que c'est sur 3DS. XY, non. Et du coup, bah, en fait, j'ai un peu la flemme des émulateurs, en vrai, je vous cache pas, que j'aime bien. J'aime bien, j'aime beaucoup SNL, tout ça, mais en fait j'ai du mal avec les émulateurs. J'ai vraiment du mal avec ça, j'ai un problème avec les émulateurs. J'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à profiter du jeu parce que je me dis que c'est pas le vrai jeu, tu vois. Salut Michoko, t'arrives à la fin du stream en fait. Il y a Twitch qui live. Ok. Alors, qui on va raid aujourd'hui? Écoutez, bah il y a Dreamy. Allez. On va aller voir Dreamy. Et je crois qu'elle est sur Let's Go to the City, Dreamy. C'est marrant ça. Allez, let's go. Vous allez voir Dreamy découvrir Let's Go to the City, qui est un super jeu. Franchement. Je trouve que la lune. Vraiment trop bien. Pourquoi j'entends? J'ai muté le son. Elle vient d'arriver sur sa petite île. Non, mais son perso est trop mims. Enfin bref, du coup voilà, trop cool. Voilà, bah ma femme, j'ai déjà fini. Comment ça, déjà fini? Ça fait quand même 4h20 que je stream, ma femme. Eh ouais, ma femme, et ouais, je sais, je te déçois, mais bon. La vie, tu sais, voilà, elle est comme ça. Pour ça, à stream, ma femme. On va la voir à stream, ta femme. Hein. Non, tu sais que Shell, vraiment, je comprends pas. Je me creuse la tête, je comprends pas d'où ça sort. À tout moment, quand j'ai créé ma partie, parce qu'elle date d'il y a plus de 2 ans, j'ai dit un truc genre... tu sais, les réponses, enfin les questions qu'ils te posent au début du jeu, là, les habitants, à tout moment, j'ai dit ton blaze, mais je sais pas pourquoi j'aurais dit ton blaze.